Bonjour tout le monde, il est l'heure de faire tomber la casquette. Je suis un arnaqueur. On est parti pour partir chez Loïc. Alors c'est l'anniversaire Loïc, pour ceux qui ne savent pas. Donc déjà, premièrement, j'ai la voix coupée. Attends, parce que du coup, tu sais pas. Je me tue. Voilà. Donc, j'ai la voix cassée, mais on va quand même faire la vidéo. Donc on est parti, là il est 7h04, on va partir. On doit être à 7h15, on prend le train. Donc on va faire ça en surprise et on va vous filmer tout le voyage et l'arrivée et la tête à Loïc après ma casquette. Allez salut, moi j'y vais. Tiens. Pour des raisons évidentes, mon voyage en Haute-Savoie n'a pas pu être filmé. Je comprends pas pourquoi. Bon les amis, je vous parle depuis le montage, en speed, pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne me connaissent pas en stream tout simplement, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc c'était l'anniversaire à surprise de Loïc, comme vous l'avez compris, et le but était de me mettre dans un papier cadeau chez lui, et comme ça moi quand il entre, et bien il me voit. Donc pour ça on avait comme complice sa copine qui avait monté tout un stratagème pour pouvoir aller à Lyon, venir nous chercher à la gare, et nous amener chez elle qui était en Haute-Savoie. Voilà, moi je suis du sud, donc ça fait une assez grosse distance et ils ne s'y attendaient pas à ce que je vienne, tout simplement. Donc du coup en fait ce qu'on n'a pas filmé c'est quand on est arrivé en Haute-Savoie et tout, parce qu'en fait il fallait faire très très vite, on avait très très peu de temps, parce que Loïc était chez un ami à lui, en attendant qu'on fasse ça, il fallait surtout pas qu'il rentre pendant qu'on installait toute la surprise. Donc ça c'était pour ma surprise, et ensuite le soir ça a enchaîné sur une soirée, pareil on n'a pas pu trop filmer, on a filmé des parties de la soirée, mais sans forcément vous expliquer. Parce que la vidéo n'était pas forcément un vlog, c'était vraiment plutôt une vidéo où on vous montre Loïc, où on nous montre aussi moi en IRL, quoi, sans la casquette, etc. Et du coup, en fait, c'est juste quelques parties de la soirée, mais sans vraiment vous montrer. Et puis aussi, on avait envie de profiter parce qu'on n'avait qu'un week-end et qu'il fallait, il fallait quand même en profiter. Donc là, quand on est arrivé, on est de suite parti à un McDo, on a mangé vite fait en speed. On a juste filmé la bouffe du McDo sur Snap, wow, c'était génial. Puis ensuite, on est parti direct dans la foulée. On est parti chez lui, donc chez lui on a dû préparer donc la bouffe, donc les deux filles, donc ma copine et la copine à Loïc ont préparé à manger pendant que moi j'installais mon carton. Non, bah, mon carton que je vous montrerai par la suite. Donc là les photos qui vont suivre ça va être des photos sur ce qui ont été prises par téléphone, donc vous allez voir avec le contour noir, je m'en excuse, c'est pareil, vous aurez quelques snaps avec le contour noir, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer quand même comment ça s'est passé. Donc on m'a mis dans le carton et ensuite nous avons eu l'arrivée de Loïc. Voilà, tout simplement. Plus la soirée et la soirée qui n'a pas pu être trop filmée. Voilà. Allez, bon visionnage. Donc là vous avez le droit à l'installation de tout le processus avec la caméra qui était cachée afin de bien filmer. Je m'excuse par avance parce que j'ai mal installé la caméra et du coup j'ai filmé que le cul de Loïc. Voilà, merci, au revoir. Ah, sors, gribouille! Ferme comme ça, il ferme tout. Mais tu sais ce que c'est toi déjà? Non.
comme ça, c'est fragile et tout. Fais attention. Peut-être c'est Mika, il s'est envoyé par Tony. Mec, et il m'a dit ça en faisant en boîte aux lettres. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai dû aller le chercher. Mais tu l'avais tué en suivant ça, de la vie de passage? Parce que je suis rentré, c'était enfin, 5h moins le quart, moins 10. Ouais. Attends. Et oh putain. T'es sûr, t'as vu ce que j'ai dit ou quoi? Ton téléphone et tout. Et tout. Qu'est-ce que tu connais? Je suis coincé. Attends, je vais prendre un couteau. En plus, j'ai mis la tête dedans. J'ai vu juste là bouger, tu sais. J'ai pas dit. Bonjour. Je t'ai dit quoi? C'est bon, il y a Mika dans le cadeau. En plus, j'ai essayé de bouger quand il fait. Ah putain, je sentais plus mes jambes. Mais du coup, t'es venu comment? Bah non, en fait, on va me dire la place. J'étais à Lyon pour ça. Ah, c'est vrai? Bah ouais. C'est bien. Ouais. En plus, je lui ai dit... Attends, c'est quand que je lui ai dit? Je lui ai dit hier, je crois, si tu viens... Bah, j'étais à l'aéroport de Genève. Je lui ai dit, s'il vient, c'est là que je viendrai te chercher. Et du coup, t'es là combien de temps? T'es là, c'est combien de temps? Jusqu'à dimanche. Ok. Ça, mais cool. Attends. La pauvre. Ah, y'a Alicia. Alicia. C'est bon, j'ai ouvert mon cadeau. Ça va, petit? Mais oui. J'ai essayé de filmer. J'ai pas besoin de t'écrire. Voilà. J'ai pas besoin de t'écrire pour te dire que je le sois. Hein? Ouais. Comme ça? Non, non. Tu me montres ton plexus solaire? Non, ça fait trop mal. Mika, t'as pas de force comparée à moi. Tu me montres ton plexus solaire? Non, okay. Non, pas les couilles. Tu me montres ton plexus interne. En fait, c'est là où ils font énormément de BD. Ah, mais par contre, on est sponsorisé par PF. Ouais, bah moi par Lyon. Ce qu'il y a, tu vois pas jaloux. Il y a pas du produit vaisselle là-dedans. C'est bien. Les mecs, regarde les bulles. Bah, la blague, d'ailleurs, on a tapé dessus. Moi, j'ai touché la blague, ça n'a pas marché. Bah, non, c'est normal. Oui, c'est sûr, il n'y a pas du produit vaisselle. Ah, si, vous avez rajouté un truc. Non. Je te jure, si, elle a pas le goût de tout à l'heure. Vous avez mis du Lipton. Non, mais rien. Si. En plus, le niveau il est beaucoup plus remonté. C'est pour ça qu'il est bon. J'ai tapé comme ça, mais j'ai nettoyé. Ouais, ça marche.